CEST, une nouvelle qui est passée plutôt inaperçue, mais Kylian Mbappé vient de s'offrir une nouvelle maison. La star des Bleus a choisi le sud de la France, où il peut profiter de la quiétude, loin de la frénésie parisienne. CEST, une petite vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Après des vacances aux États-Unis et un passage remarqué pour la fête de l'année chez un milliardaire américain, Kylian Mbappé est rentré en France. Originaire de la région parisienne, l'attaquant du Paris Saint-Germain a décidé de s'installer pour ses derniers jours de vacances dans le sud du pays. Mais pas question pour cet acharné du travail de se la couler douce et des habitants de la petite commune du Thor, dans le Vaucluse, ont eu la surprise de voir le footballeur de 24 ans s'entraîner avec son père Wilfried, sur l'un des terrains du coin. Une nouvelle qui n'est pas si surprenante puisque si l'on en croit les informations de la Provence, Kylian Mbappé aurait récemment fait l'acquisition d'une maison dans cette même commune du Thor. Pour l'heure, très peu de détails ont fuité sur la demeure du coéquipier de Neymar, mais vu ses émoluments au PSG, on peut s'imaginer que le champion du monde s'est offert une propriété de très haut standing. Une nouvelle qui a certainement dû réjouir les habitants de cette petite commune, située à proximité d'Avignon, et qui ne doivent pas avoir l'habitude de voir d'aussi grandes stars dans la région, mais tout est fait pour que celui qui a vu s'entraînant sur la pelouse du stade municipal ne soit pas embêté. Sur place, la mairie de Thor veille à sa tranquillité, indique le Parisien. On ne veut pas d'émeutes liées à sa venue, il faut que cela reste le plus discret possible, lâche une source locale au quotidien et deux témoins assurent avoir croisé son frère cadet Ethan Mbappé en fin de semaine dernière. La sécurité des lieux est assurée par des patrouilles de gendarmes, lit-on dans le journal. Un indice sur son avenir ? L'acquisition de cette maison dans le sud de la France peut-elle être vue comme un signe pour les supporters du club de la capitale? Depuis plusieurs semaines maintenant, l'avenir de Kylian Mbappé au sein du PSG agite la presse et les réseaux sociaux et comme chaque été, on se demande si le génie français restera une saison de plus en France. Le Real Madrid lui fait les yeux doux et pour l'heure, il est difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir du gamin de Bondy. Après une nouvelle saison très réussie sur le plan statistique, Kylian Mbappé a profité de ses vacances à l'étranger, mais il n'est pas passé à côté du drame qui a touché le jeune Naël, le 27 juin dernier. Sur son compte Twitter, le footballeur a rapidement réagi, ce qui a entraîné une vague de réactions, notamment dans les médias et comme à chacune de ses prises de parole, l'attaquant déchaîne les passions.